Et c'est pas mal. Et c'est parti pour l'équipe de Mangira, bah c'est parti Thibaut qui trouve Yann. Non, Valence, excusez-moi. Thibaut avec Alexandre qui a oublié de lâcher les restes des mains du groupe Ballon d'Or au sol. Et là, c'est ramassé par Gisolette tout de suite dans la foulée. Il y a quelques petits foules à côté de Gisolette qui permet d'être très présent au ramassage. Il fait circuler son ballon dans son corps. Voilà, l'attaque est lancée. Accélération dans l'axe là. De Thomas qui trouve Cédric. Et premier but accordé à Cédric pour l'équipe de Gif. Et donc on aura lancé pour l'équipe de Vendegy. Ce lancer sera effectué par Thibaut, le numéro 2 de l'équipe de Vendegy. Alexandre en premier rang. Alexandre qui avance, qui propose de... Hop là, on trouve avec François Xavier, François de la Sacha qui tire et qui marque. Et là, ça va vite. Voilà, et c'est donc Gif qui va remettre ce ballon en jeu. Par la main de Marceau. Voilà, c'est lancé. Petit pas de lobby lancé. Bien boxé, pris dans la foulée là. Par le relais, on fait tout de suite des passes du côté de Gif. Mais la défense qui est bien revenue. On va donc rentrer à la maison. Avec Guilherme. Guilherme Marceau. Guilherme là, côté gauche. La défense est bien fermée. Marceau. Avec Cédric. Thomas qui porte ce ballon. Voilà, l'équipe de Gif attaque avec Marceau plein axe, Marceau qui n'est pas attaqué, Marceau qui tente le shoot et ça tape le fer, c'est rattrapé par Valence dans le boudoir, Valence avec Alexandre Thibault, François Clavier, Alexandre qui t'improvise, oupa, il tente une passe pas tôt là, sous le but à Valence, qui n'a pas pu attraper ce ballon. Tom avec Valence qui remet derrière à Thibaut qui tente le débordement là. Ça va être compliqué de pouvoir repasser sous le but. Mais Tom lui s'est dit je vais aller mettre dans la raquette, attendre le ballon, et c'est le but. Ah oui, elle avait couru un petit peu trop après le ballon là du côté de Gif, et elle avait oublié de fermer l'accès, c'est Thomas qui va remettre le ballon en jeu. Thomas s'est lancé loin au deuxième rang là-bas, et c'est boxé par Pierre de côté aussi fort. Joël qui refuse encore un passage là. Mais Thomas, il arrive là. Thomas, principal ajusté là, le ballon au sol. Oui. On vient pousser Théophile là quand il voulait ramasser ce ballon. Thomas avec Marceau. Marceau, Théophile. Guilherme. Herbe qui se fait un peu bloquer là-bas là et ça va être plus un peu plus avec Marceau. On ramène ce ballon à la maison. Passage là, mais ça se ferme fort. Petite passe au milieu. Juste accordé. Et c'est l'égalisation pour Théophile. Au lancer, Thibaut pour l'équipe de Vendegy, il trouve François Xavier, et hop, ça passe jusqu'à là. On passe à Paris. Attends, François Xavier est en train de petit tir pâteau là, sous le but, c'est compliqué pour lui, il n'a pas réussi à ajuster le cercle, là, le ramassage. Voilà, et donc, ballon rendu à Gif pour une priorité de ramassage. P3 là-bas, mais d'abord les passes. Avec
Donc Théophile, il se trouve derrière lui. Guilherme qui tente de passer la côté gauche. On se trouve pique le ballon. Et oui, quel arrachage de François Xavier là qui était arrivé du tir de mon verre. On rentre à la maison, Thomas qui trouve Guilherme avec Marceau. Marceau qui se termine, on va reprendre un petit peu d'air avec Guilherme. Ouais, Guilherme qui décide de remettre un petit peu tout le monde là en fond de terrain avec Thomas. Thomas, va sur la droite, on essaie d'accélérer côté droit. Shoot! Pourquoi il tire pas? Il tient pile dans l'axe là. On est patient là du côté de Jeep. Thomas, Guilherme. Guilherme qui. Ah oui, petite passion. Le là, ça y est, du côté de Banji, on a pris un but de retard, un but qui va être long à rattraper pour cette équipe. J'espère qu'ils vont pouvoir, là, dès cette touche, le faire. Alexandre qui est en place en touche. Il lance sur top, qui lui redonne. Alexandre qui, hop, ne trouve pas de solution et rentre. Il a Yann avec lui. Yann, Alex, Thibaut. Thibaut qui redonne derrière Yann, Alex qui a vu le décalage là-bas sur Tom qui glisse le ballon. Ah oui, c'est bien glissé là. Il y a une petite louche par en dessous là. Et Vendéchi qui récupère le ballon sur cette touche. Il va falloir terminer du côté du foie. Alex qui trouve la balle à Thibaut qui tire. Ouais. Et c'est le but. Ouais, c'est bien joué. Le ballon a circulé. Allez, un petit but d'avance, il a par Vendéchi. Marceau, une petite balle là sur le premier rang, on trouve tout de suite devant lui, jolie sortie de but dans leur arbitre. Et but accordé par les arbitres, Marceau. Excusez-moi, c'est Cédric qui marque pour Gif. Et ballon bossé par Yann qui a bien vu que le Gifoy l'attendait sur l'avancée. Alexandre qui ramasse alors qu'il a un intervention de la pénalité 2. Ah oui, les deux là, on défend avec les deux mains à côté du Gifoy. Tout ça parce qu'il a voulu aller récupérer la balle. On a les deux. C'est plus que deux là. Thibaut, moi j'ai son balle avec Alexandre. Thibaut, excusez-moi, avec Tom. Tom qui tente la petite passe là sous le but à Alex. Mais voilà, ballon ramassé par Thomas là pour Gif. J'ai un petit peu chahuté là-bas. Je trouve du soutien avec Cédric. Oui, on joue très vite là du côté de Gif. Cédric qui tente l'accélération là, mais. Il se fait bien enfermer sur le milieu. Tente de passer quand même. La défense est gardée. Le gardien de ce ballon par terre. Ballon au sol. Et Tom qui ramasse le ballon. Tom qui préfère ne pas partir en contre-attaque. Et il va échanger la balle avec Alexandre. Alexandre qui retrouve Thibaut. Tom. Tom qui passe derrière Yann, Alexandre, Tom
Tom qui passe le but et gagne seul. Voilà, et c'est Thomas qui va remettre le ballon en jeu là pour l'équipe chypoise. Parti, c'est très loin derrière la masse sur Guilherme avec Théophile. Thomas qui lance le jeu vers l'avant là, on essaie de s'éloigner sur la droite. Et un massage par Alexandre qui voit que la contre-attaque n'est pas possible, alors il reste là, il va reconstruire avec Thibaut qui donne à Thibaut qui passe sous lui, là, il a pas réussi à se libérer suffisamment du marquage pour pouvoir tenter le shoot, et du coup il va faire, il va être tenté contre la maison, mais il est bloqué sous lui par Yann au soutien, Yann qui regarde devant, qui voit Tom qui se désarticule et qui la met par terre. C'est la mi-temps sur ce score de 5-4 à la faveur.